Américain a metté monsieur ak manche k ap metté la trouble en Haïti yo sous liste criminel yo plus ap chercher nan monde. C'est gros gros zéro papa. Qui gens américain metté moun sous liste yo plus ap chercher? Qui gens ou prend moun sa yo? Eh bien, regardez. D'abord, c'est FBI, Bureau fédéral dans pays États-Unis qui occupe de questions enquête investigation pour des CPJ États-Unis. Donc FBI travaille pour direction police judiciaire dans pays États-Unis. C'est lui-même qui sorti liste ça sous 10 moun yo plus à chercher dans monde. Moun sa yo, c'est des moun qui fait des crimes sous territoire américain ou bien qui gen rapport ak américain ou bien qui gen rapport ak territoire américain. C'est en 1949, li devini avec Lisa, te passé dans tête Thiago Perna, qui était directeur FBI. Yo dit, ah, green façon pour nous ka bien prendre criminel yo, faut qu'il y ait une liste qui gen boule tête yo, et puis n'a plaqué tout côté, là, dans tout journal. Et puis là, depuis 1950, moun a fait va et vient dans Lisa, moun yo arrêté, moun yo touye, yo retiré yo la den. Depuis 1950, ça tout, moun a passé la den. Premier moun qui était dans l'ISA, c'était Thomas James Holden. Il était metté là-dedans parce que monsieur était touyé madame ni à deux frères. Mais gon illusion nous doit retirer quand nous la donne. Pas penser de vous sous l'ISA FBI là, il y a tout pour nous. Oh non 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 non. Ou ca sous l'ISA, donc c'est moun yo plus à chercher et puis pas jamais ca prendre bamba nous causer Donald Eugene Webb, un criminel américain qui était touyé un chef police. Monsieur la gueule maon, depuis 1981, yo mette monsieur sous l'ISA. L'ISA moun yo plus à chercher, yo fait 25 l'année y a chercher. Pourtant, depuis 1999, monsieur mouri la kaili, madame ni enterré dans la cour bien tranquille. FBI pas même qu'on est même. C'était monsieur qui était gain record fait plus temps sous liste là. Moun qui pral remplacer, qui pral mettre le dehors dans liste ça, c'est Victor Manuel Gerena. Depuis 1984, yo mettel dans liste ça. Yo pas jamais ka joindre monsieur jusqu'à présent. OK, pour 2023 là, 10 moun qui dans liste là, c'est ça yo. Premier moun qui dans liste là, c'est Alejandro Rosales Castillo, c'est un américain. Monsieur dans liste là depuis octobre 2017, peut-être il détruit yon moun pour l'argent il était duel. Gè $100,000 sous tête Castillo pour n'importe moun qui aide yo Maril là. Deuxième moun qui dans liste là, c'est Alexis Fleur, monsieur fait Honduras. Il dans liste là depuis 2007 parce que il tétouyé yon ti moun 5 l'année. Alexis gagne $250,000 sous tête les début 2007 ça tout monsieur flané. Troisième monde qui dans l'ISA c'est Arnoldo Jiménez, monsieur fait États-Unis. Monsieur dans l'ISA c'est parce que en 2012 li just fin marié avec madame li nan demain li touyel. Li gagne $250,000 sous tête et la capitaine pour n'importe monde qui ka permettre yo marier monsieur. Quatrième monde c'est Omar Alexandre Cardenas, monsieur fait Californie. Monsieur dans l'ISA en 2019, dans un centre commercial, les vidéos monate. Et puis, il a gagné pied. Et puis, il a tout, il a cherché. Il y a $250,000 qui est de elle. Cinquième monde, c'est Yulan Adonai Carias. Monsieur lui-même, il fait dans Honduras. Il a ajouté dans l'ISA, c'est parce que le gouvernement États-Unis dit, monsieur, c'est chef MS-13, un pigou groupe criminel qui a opéré dans l'Amérique centrale, là, précisément dans Salvador, Jouni, dans Honduras, tout. Il dit, monsieur, organisé plusieurs cargaisons, petits poudres blancs, pour le voyer sous terre américaine. Pour ça, il a cherché, monsieur. Tandem, ça, il a gagné $5,000,000 avec yo mette là pour n'importe moun qui permet américain maril. Li te 100,000 américain dit gros poisson ça tant que monsieur li pa ka 100,000 seulement, il vin 5,000,000. Sixième moun nan c'est Badresh Kumar Patel, monsieur fait en Inde. Il a cherché monsieur en pile là. Yo mette sous li ça depuis en 2015 parce qu'il était touyé madame li. Il gagne $250,000 derrière monsieur là pour n'importe moun qui joine ni. Septième moun c'est Donald Eugene Champs II. Monsieur c'est un américain. Il a joué dans l'ISA parce que il était monté business côté la prenti moun pour faire vendre corps. Et monsieur tout, il gagne $250,000 sous dollars. Huitième moun c'est Ruja Ignatova. Dame ça fait dans Bulgarie. Il a joué dans l'ISA c'est parce que il était monté une entreprise crypto monnaie qui est le OneCoin. Qui pas bon vrai, donc son anak côté, c'est 1,000,000 moun liberté
tout côté dans le monde là et puis le sauver. Pour ça, il a ajouté dans l'ISA. Et lui-même tout, il y a 250 000 dollars qui couchent là sous tête pour n'importe qui qui bail information qui capable permettre yo maril. Neuvième monde, c'est Wilver Villegas Palomino. Monsieur lui-même, il fait Colombie. Il est membre ELN, Armée de Libération Nationale. Les États-Unis ont cherché le temps qu'on m'en fout. Il a ajouté dans l'ISA. C'est parce qu'il dit, monsieur, il a fait trafic, voyez, type poudre blanc, qui est donc coca. Sous territoire américain. Tandis, pour yon jeune monsieur, yon mette 5 millions de dollars vêtements sous table là pour n'importe qui capable de jouer une information, cap maré monsieur. Ou bien sou capable maré le tout, vinavel 5 millions de mon cash. Et puis, dixième mounan là pour 2023 là, c'est Haïti le sorti. Monsieur, il est vite l'homme innocent. Monsieur, c'est haïtien, il fait en 1986. Yo ajouté dans l'ISA 15 novembre 2023 la raison vide l'homme qui c'est chef yon gang qui est l'écrasé barrière mettez ensemble avec l'autre base qui est les 400 marozo en 2021 yo levé 17 missionnaires en Haïti même vide l'homme ça en 2022 il levé un citoyen américain litouyel et puis dans fait tentative pour lever un autre citoyen américain encore citoyen américain ça moui et puis pour ça yo metté monsieur dans liste pour ne plus chercher dans monde là et puis pour le jeune monsieur, il a dit faut gagner une récompense. Il mettait 2 millions de dollars vêt sous tête citoyen pour n'importe qui qui capable permettre yo joindre ou bien joindre information capable faire prendre là. Bon, il y a mon qui dit bon là derrière ambassade d'Haïti là en Haïti oui. Et faut que me dit nous vite l'homme vient remplacer dans l'ISA José Rodolfo Villarreal Hernandez qui sont chef cartel mexicain. Yo mettez la patte sous lit. Et l'important pour me dire nous tout, dans chef bandit qui a opéré sous territoire haïtien là, c'est pas seulement vite l'homme qui dans liste FBI. T'es qui t'as un citoyen ça qui est Renel Destina. Nous connaissons sous nom Farinay. Qui donc, si l'appli, qui dans liste FBI déjà. Mais c'est 10 moun. Mais c'est nous gros bout tout au liste lissot. Qui gagne, pour aller ça m'a parlé à la 532 moun la donne. Yo pour que j'aime qu'à apprendre. Ok, kounya là, qui j'aime mettre dans liste ça? J'aime te dire là. Pour dans liste ça, pour que son monde, même si vous êtes étranger dans l'autre pays, depuis vous avez un zakwa fe, vous avez un lien avec États-Unis ou bien vous avez un lien avec Américain, vous capable dans liste ça. C'est ça que fait, vous mettez vite l'homme là-dedans. C'est parce que vous dites, il était levé Américain ou bien tué Américain. Et bien, qui j'en ça fait? Gen en dan FBI, yon service qui est le CID, Division Enquête Criminelle. Ça le fait? Il y a les 56 bureaux FBI gen tout côté. Et puis il dit yo pour travail sur une liste pour voyer candidat Bali. Et puis qu'on a ça qui passé, 56 bureaux ça yo voyer candidat Bali ici là. Et puis yo même yo analysé yo choisi. Après ça, yo pour aller voyer liste ça by direction FBI là pour capable bay dernier mois. Et puis pour yo ajouter moun ça yo dans liste qui était là déjà et puis pour yo la gagne tout côté. On dit moun nan c'est un étranger, tant qu'on a ka vide l'homme. On a posé cette question, mais qui genre américain pour aller prendre moun ça là? OK, attendez. Lorsque liste là ça pas le dire demain matin là, États-Unis pour aller débarquer avec on l'armée là ou bien vous on l'armée vinn prendre. Non non non, il pas fait comme ça. C'est toujours autorité locale yo qui a cherché pour un moun là. On dit dans ka vide l'homme là, PNH là font opération et puis yo mari monsieur. Mais c'est là où fin prend moun nan qu'on y a là, États-Unis pour aller aller Z4 extradition. Parce que lui dit, lui y a accord à Haïti sous question extradition, qui veut dire qu'il vient prendre moun en Haïti à le juger la Kaili. Alors, depuis DCPJ ou bien n'importe instance là, prend un criminel qui est sous l'isli, l'a débarqué là, pour le prendre, mettre le dans l'avion, et puis il dit, on a le juger la caille. En même temps, tout, criminel, ça qui sous l'isli, l'a cherché là, s'il t'a quitté Haïti, par exemple, là, dans l'autre pays, et États-Unis, gain, accord extradition avec pays ça, et bien, famille, autorité, dans pays ça, a toujours arrêté, et criminel, ça qui sous l'isli, et puis l'a voyé le bail, tonton Sam, pour tonton Sam, à le juger. C'est comme ça, le CIA. Qui fait, ou pas besoin de commencer à faire plaquer, pour dire, depuis mon nom sous l'isli américain, yo tout pral marre. Il pas fait comme ça. Comme ça, tu as pris 2 mais si tu veux là, mais comme ça, tu as pris 10, 15 ans, tu vas jamais prendre. Donc, m'espère que tu comprennes comment le processus mette sous l'isle là. Et puis, pas oublier de partager cette vidéo pour l'autre monde. Carrel, n'a pas là. C'était Will qui toussait pour la communauté. Peace là.